Bonjour mon cher Chicolin Gaming. Comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Désolé, je suis un peu enrhumé, oui. Hein. Nous sommes en hiver, alors c'est plus compliqué. Faut attendre que Minecraft charge. Reprendre le jeu. Voilà. Je continue le piège de la mort qui tue. Je l'ai bien amélioré. Vu que normalement, personne ne tomberait dedans. Regardez ce que j'ai fait. Alors déjà, je vais trouver dans les armes. Non, ça va pas trouver. Ouais, loupe. Ah, je cherchais les panneaux. Mais là, maintenant, je vais chercher pioche en diamant. C'est parfait. Ici. Voilà. Alors, j'ai une pioche en diamant. Je fais genre, je suis un mec qui est en mode survie. Et qui arrive à cet endroit. Je me recule un peu. Voilà. Alors, le mec, il arrive. Et puis, il peut croire que c'est une tombe. Et regarde, minerai de diamant. Il pourrait se dire, mais c'est un piège. On va quand même essayer. Il fait ça. J'en étais sûr. Il y a un trou. Oh, mais il y a du minerai de diamant. Le mec, il croit ça. Oula, il faut que j'arrive à aller à l'intérieur. Alors. Non, mais. C'est très compliqué sur PE. Je vais faire ça. Voilà. Genre, le mec, il tombe. Et il dit, trop cool. Il en récolte un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et il crève dans la lave. Voilà un piège qui tue tout le monde. Je l'ai déjà essayé avec un zombie. Sauf que c'est moi qui lui ai fait péter le bloc. C'est moi qui ai pété le bloc. Et lui, c'était pas du tout pour la richesse. Voilà. Alors, ce petit piège à mort qui tue qui est très bien amélioré. Voilà. Je l'ai amélioré. Alors, on recommence pour le suivant. Voilà, je tape. Parfait. Minerai de diamant. Voilà, c'était la petite vidéo, pas une petite vidéo, mais le petit passage sur Minecraft. Dans Clash Royale, oh tiens, là-bas, il y a eu le défi du miroir, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Du coup, je vais vous faire une vidéo, je suis à 2 défaites, 2 victoires, il me semble. Nous allons directement aller dessus. Alors ça va être du Minecraft et du Clash Royale, du coup, let's go! Je vais faire un combat avec je ne sais qui. Alors j'ai retiré un peu le son. Parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Alors les combats peuvent rapporter des coffres géants, mais ils sont plutôt rares. Non mais ils blaguent, je viens d'avoir un coffre géant. Non mais c'est vraiment drôle, ils mettent ça. Mais pourtant j'en ai un. Tant pis. Alors là. Voilà, 2 victoires, 2 défaites. Hein. On va essayer. C'est parti. Nous sommes en pleine game en direct dans le défi du miroir. Attention. Le deck de mon adversaire. Ou il est triple mousquetaire. Nous sommes avec Keko. Et nous sommes contre CleanTimmy112 plus Hérisson. Alors, bonne chance déjà. Parce que déjà vous êtes très mal barré. Voilà, bye bye. Oh, vous êtes encore vivant? Tiens, prenez ça. Oh, j'ai le méga chevalier. Les gars, j'ai le méga chevalier. Oh! Non mais c'est pas possible. Les gars, j'ai le méga chevalier. Regardez le taf qu'il fout. Non mais il n'y a plus de golem en 2 secondes. Là bien sûr je sais pas quoi jouer mais... Oh, on a bien affaibli. Non, pas un petit cimetière. On va tenter un petit géant de ce côté, tiens.
Et après, on va le protéger, le géant. On s'en fout si on prend des dégâts. Voilà, direction le cimetière. Voilà, comme ça, les premiers ne taperont pas le géant. Voilà, et comme ça, ça va péter la tour. À part s'ils font ça, bien sûr, nous défendons avec les petites gargouilles. Plus de tour. Et voilà, c'est la stratégie qui compte. Qui compte ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, ils ont mis une boule de feu. Heureusement, sinon ça leur aurait fait très mal. Oh là là. Ouah, rip la tour. Allez, on essaie de... Allez, faut que je pose un... Ouh, il met un méga chevalier à la fin. Mais on a quand même gagné. Oui. Alors, c'était plutôt court. Ouais. Quitté, voilà. Et bah disons... Non. Nous sommes à 9 sur 10. Bah allez, je m'en fous. Un petit combat de 2 contre 2, voilà. Pour essayer de récupérer une couronne, je m'en fiche si je perds. Le but pour moi, là, c'est de récupérer une couronne. Alors, je suis avec Rayato. Allez, Rayato, sois fort, nous sommes contre Almeranto plus Myra Ilm. Alors, voilà le deck principal que j'utilise. Moi aussi, j'utilise les barbares d'élite. Non. Oh, je suis sonné, un méga chevalier. Mais pourquoi ils veulent me faire rencontrer ça? Bien sûr, j'ai les barbares pour contrer, mais j'étais obligé de me prendre un coup. Regardez, et j'ai plus d'élixir. On a tout utilisé pour défendre. Oh là là, cette game s'annonce super compliquée, les gars. Oh tiens, il attaque aussi avec le prince. Bah tiens, le mien est niveau 5. Allez, le mien est niveau 5. Boum. J'ai le prince niveau 5, bientôt niveau 6. Du coup, ça fait très mal. Allez, voilà les petites clochettes pour toi. Et ils ont une bûche. J'ai plus d'élixir. Non, mais tu défends pas ça. Mais il a pas de respect, le truc avec moi. Non, non, je sens que j'ai pas assumé cette game, les gars. Ah, vas-y, vous savez quoi? On va... Oh, non, j'hésite si je me laisse abattre ou pas. Non. Mais bon, je sais déjà qu'on a perdu. Bon, je vais en refaire une, voilà, je joue pas, je m'en fiche si je perds, je vais en refaire une, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, je m'en fous, je joue plus. Allez, vas-y, bien joué, super combat, je ne défends plus. Bah, je crois que mon adversaire, en fait, il fait comme moi. Ah non, vous savez quoi, on va s'amuser, on défend, voilà, on défend, on défend, on défend, on défend. Alors, j'attaque avec l'orage, oui, mais ça va très bien avec mon deck. Ouh là là, ouh là là. Ouh, peut-être mettre la tour. Peut-être, peut-être. Oui, oui. Attends, est-ce qu'on va mettre les tours? Les gars, les gars, les gars, coffre à couronne ou pas? Oui, 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 oui. Allez, on n'abandonne pas. Merde. Et ils nous finissent à la roquette. Désolé pour le gros mot. Mais ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Bon, les gars, je vais vous ouvrir un coffre à couronne. Puis la vidéo devra s'arrêter. Attention. Allez, une légendaire, ça serait magnifique. Même si c'est trop rare. Des gargouilles, ça commence très mal. Du canon. Gobelin. Ah ouais, mais on n'aura même pas des pics. Tower de l'enfer. La tour de l'enfer infernale. La tour infernale, quoi. Non, shop. Ouais, ça sert à rien. Alors, voilà, les gars. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un petit like si vous avez aimé. Moi, je vous dis à plus, les gars. Alors... je vous propose d'essayer mon deck, voilà. Alors, si vous avez les cartes aussi élevées que moi, ça peut aller. Un deck pour la reine 9, ça va. Allez, à plus!